C'est la fin d'une période de travail qui a été intense, mais aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de rencontres. Et je pense qu'on s'y était tous préparés. Mais là, quand on nous a dit la convention citoyenne est terminée, on a tous eu cette petite boule au ventre. Donc triste, mais heureux d'avoir participé à ça. Heureux du travail qui a été rendu et heureux d'avoir pu le faire dans une intelligence collective. On a commencé déjà par affiner le livrable. On a travaillé sur le manifeste aussi. Il y a eu énormément de témoignages justement sur le ressenti des citoyens, sur le ressenti de la convention, le ressenti du travail qu'on a fait, sur le livrable, ce qui va être fait du livrable. C'était extrêmement touchant parce que maintenant on se connaît tous personnellement. Ça a beaucoup plus d'impact au niveau des témoignages. Ce qui nous lie tous, c'est ce livrable, c'est cette question, c'est ces réponses qu'on a pu amener. Peu importe les avis, on est ensemble et unis pour le livrable. C'est ce que j'espérais depuis le début. Et je suis heureux de voir qu'à la fin, c'est comme ça que ça finit. On a eu un vote qui a été quasi unanime. Le vote demandait si on voulait conserver le livrable en l'état. Et évidemment, on a tous dit oui, puisque c'est notre travail depuis 27 jours, donc forcément, on ne pouvait pas dire non. Le gros temps fort, ça a été le moment de débat. Quand vraiment, on a chacun développé nos avis, qu'on a débattu, tout le monde s'est respecté, tout le monde s'est écouté, on avait des avis qui étaient complètement divergents. Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai vécue aujourd'hui sur le plan démocratique et même dans le travail, dans la vie en général. Soline a dit qu'il y a eu 75% de personnes qui étaient pour l'aide active à mourir, mais qui ont laissé 50% de place dans le livrable aux personnes qui étaient contre. Et je trouvais ça beau, en fait, personne n'a écrasé personne. C'est pas parce que la Convention citoyenne s'est positionnée en faveur de l'aide active à mourir que les personnes qui étaient contre ont été mises à l'écart. Au contraire, elles ont autant de place dans le livrable. Et ça, pour moi, c'était primordial. Il y a eu un autre moment fort aussi, ça a été forcément la clôture, la fin. C'est la fin d'une aventure et c'est le début d'une autre. Parler de la fin de vie, on peut tous en parler. Maintenant, se faire un avis, se faire son propre avis sur la fin de vie, c'est le plus important. Et le but de ce livrable, à mon avis, ça va être ça, ça va être que chaque citoyen puisse avoir son avis sur la fin de vie. Au-delà de la question sur la fin de vie, je pense qu'il y a une autre question, c'est la convention citoyenne. C'est un outil magnifique que tous les gouvernements devraient utiliser régulièrement. Sur le plan personnel, la Convention citoyenne m'a apporté beaucoup d'espoir. Je suis atteint de plusieurs maladies chroniques depuis plus de 17 ans. Très jeune, je me suis posé énormément de questions sans réponse sur la fin de vie. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va se passer? Est-ce que je deviendrai un fardeau pour les autres? C'est des questions qui m'ont bouleversé et qui me bouleversent encore. J'ai pu, grâce à la Convention citoyenne, affiner mon raisonnement et mon avis sur le sujet. Je sais ce que je veux pour moi. Et j'espère que la Convention citoyenne me l'apportera. J'espère que le jour où ça arrivera, je pourrai mourir en France et que je ne serai pas obligé de m'exiler du pays pour lequel j'ai travaillé, dans lequel j'ai vécu, dans lequel je me suis investi pour mourir, parce que je trouve que ce serait déplorable. J'espère que nos politiques vont lire et comprendre ce livrable et qui prendront les bonnes décisions, parce que je ne suis qu'un citoyen, mais des personnes dans mon cas, il y en a énormément. On ne peut pas expliquer ce que c'est la douleur, on ne peut pas expliquer ce que c'est la souffrance, il faut la vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la moindre des libertés, c'est de pouvoir choisir comment et quand on veut mourir.